Voilà, bonjour, la souris ici. Bonjour à vous. Non, je suis pas là pour les histoires, me fait voir. Voilà votre. J'ai reçu votre facture d'eau. La voici. 117 000 et quelques. Elle est là. Bon. C'est pas pour faire un combat, hein. Ça n'a rien à voir avec je veux lutter, quoi. C'est pas ça. Nous-mêmes, on sait. On sait très bien qu'il y a des combats sur cette vie que nous, on ne peut pas gagner. C'est pour ça qu'un jour, il y aura la fin du monde et c'est pour ça que Dieu a promis un jugement. Si les hommes, si nous, on pouvait combattre le système de Lucifer ici sur Terre, alors Dieu n'aurait pas besoin de faire un jugement ni de créer un paradis parce que la justice et le paradis sera déjà ici. On n'avait qu'à enlever la mort et c'est fini. Bon. Votre facture là, il faut appeler les gars qui enlèvent, comment on appelle ça là, votre soi-disant du compteur là. Venez enlever parce que moi, est-ce qu'il dit, je ne vais pas payer. Je suis seul dans cette maison. Seul. Voilà, moi, je suis petit comme ça. Moi, comme ça, là, je peux utiliser combien de mille de l'eau? C'est éléphant ou bien c'est génie? Regardez-moi des gens comme ça, prendre des coraux, société de la colonisation. Mais quand même, il n'y a rien. Moi, la maison où que je loue actuellement, là, le monsieur, là, il a eu l'intelligence de faire une pluie. Combien de fois l'eau est coupée ici à Boaké où je sais, je suis. Toi-même, tu connais l'information. Il n'y a pas longtemps qu'on disait qu'il n'y avait plus d'eau à Boaké parce que votre lac était vide. Ça, tout le monde le sait. Ça a encore dans la presse. Est-ce qu'il y a l'eau à Boaké ici? C'est quelle eau vous parlez? C'est puissamment on prend pour se laver ici, même dans toute la Côte d'Ivoire. Qui va dire que l'eau vient normalement? La bagarre, c'est terminé. Je vous dis, venez enlever votre truc là. Il y a pluie ici, l'eau de pluie naturelle. Moi, j'ai été surpris qu'on paye de l'argent pour l'eau des lacs. Parce que c'est pas du lac, vous prenez l'eau là pour dire que vous traitez et puis les humains boivent. Vrai ou faux? Moi, est-ce que je préfère l'eau de puits que l'eau des lacs? Moi, je suis très spirituel, moi, je ne fais pas attention aux choses de ce monde. Ça, tu peux faire ça avec tes idiots là-bas. L'argent de Dieu, ça ne peut plus servir à ces gens de conneries. Comment vous nous imposez de payer l'argent pour boire l'eau que Dieu a créée? Vous prenez même pas l'eau de puits. L'eau un peu propre quelque part, d'après vous-même qui savez ce qui est propre. Vous prenez l'eau des lacs, le lac que la télé a montré là. Quand tu regardes ça là, où on chie, on fait pas. Ça là, on va laver avec un produit, ça va être propre. Puis est mieux. Naturel. Nos ancêtres vivaient 500 ans, 600 ans. On buvait l'eau des puits, mon frère. Au souligner, souligner. Venez enlever. Comment je peux seul dans une maison mon voyage facturé de 117 000 euros? Vous pensez que quoi? Ou bien c'est pas, tu as entendu que je suis en train de construire une grande maison. Qu'est-ce que ce pays-là nous a donné? Rien. Qu'est-ce que l'Afrique nous a donné? Rien. Mon petit agent ici en train de venir construire ma case là. Ça, j'étais obligé de traverser la mer ou sortir chez les Blancs. Pour revenir avec ça. Pour construire ma petite case. Parce que où on est là, on ne peut pas compter sur vous. On est combien? Les gens dorment dans le salon des gens. Ils sont combien qui n'ont pas l'argent, qui vivent dans les petits endroits? Ils sont combien qui dorment dans la rue? Et demain qu'on va se retrouver, ils vont mettre nos bagages dehors. Ouais, les Africains, c'est la souffrance. Où on se débrouille maintenant, on veut construire une petite case. Vous voulez. La maison que moi je loue ici, là, elle ne vaut pas le prix même de la facture. La maison est encore plus moins chère que la facture d'eau. Comment comprendre et dire à l'humanité qu'on peut vivre dans ce monde d'aujourd'hui où ta facture d'eau dépasse deux fois le prix de ton loyer? Expliquez-moi. C'est purement du luciférien, de la méchanceté. Votre facture là, venez enlever votre. Non, cela va être plus ici, c'est propre, naturel. Le premier ancêtre, Adam et Ève, là, c'est là-bas, l'eau depuis. Qu'est-ce qu'il y a sur les yeux de ce canard?
Et je voulais donner conseil à tous ceux qui me suivent. C'est pas, vous ne devez pas suivre le système de ce monde-là. Vous ne devez pas suivre ça. Avant, vous puisez l'eau au marigot. Vous avez vos propres lui. Ils vous ont fait croire un rêve. Il faut laisser ça. C'est pas propre, c'est pas sain. Voilà ce qui est bon. Mais d'où ils utilisent l'eau? Dans les lacs. Où les gens chient. Où les... Mais c'est n'importe quoi. Où les... Créez-vous un puits. Comme au bon vieux temps. Nous, ma maison, dès que ça finit, bah, première des choses, puits. Après, forage. Ça va venir comme dans les tuyaux pour là. C'est même chose. Quand j'ai fini encore, énergie solaire, bah, les histoires des sociétés, de la colonisation, là, vraiment, nos parents ont souffert dans ça, nos ancêtres, nous aussi, on ne va pas venir subir, ça devient de la lâcheté. Je ne suis pas sûr que l'eau qui vient de ces genres de sociétés est plus propre que l'eau qu'on tire dans un puits. 117 000, moins que lui, c'est rien, mon frère. Mais je voulais vous dire que naturellement, moi-même, j'avais décidé que le puits était la meilleure des options. Donc, dès que vous avez envoyé vos bombes, là, c'est vraiment, c'est bon. Donc, les gars, vous n'êtes pas obligé de suivre le système. C'est pour ça que je fais cette vidéo. Où tu es là, là, faut te faire un puits. Ah, on se lave combien de fois à la sorcellerie là? Et puis, tout ça en cause des choses de la colonisation. Avancez là-bas.